Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette fois-ci un tour de magie avec des cartes. Ce n'est pas un tour, mais deux tours que je vous propose. Je vous donne rendez-vous à tout de suite. Mais en attendant, publicité. Bonjour à tous. Eh bien, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la similitude qu'il y a entre les cartes. Je vais commencer par un peu mélanger les cartes. Voilà. Parfait. Alors, comme je vous le disais, la similitude avec les cartes, il y en a. Par exemple, je vais prendre le 4 de cœur. Le 4 de cœur, ça représente quoi pour vous? Pas grand-chose. Bah, pour moi, ça pourrait représenter 2 x 2, par exemple. Logique. On va plus loin. 2 x 2, ça pourrait être quoi, d'après vous? Ça pourrait être 2 x 2, 4. Mais 4 quoi? Le souffle magique? Eh ben, ça pourrait être 4 as, par exemple. Ah oui? On va plus loin maintenant avec un nouveau tour, un deuxième tour de magie. Un classique de la magie qui s'appelle Twisting the Isis. Tenez, 4 as, j'ai une question à vous poser. D'après vous, comment les magiciens retournent les cartes? Alors, vous pensez que les magiciens retournent les cartes comme vous, d'une manière simple et non magique? Non. Les magiciens, eux, utilisent pas leurs mains, simplement le souffle magique. Regardez. Simplement souffle. Une première carte vient de se retourner ici, l'as de pique. Pour une seconde carte, simplement le magique. Et là, l'as de cœur vient de se retourner car, bien évidemment, le magicien sait quelle carte il retourne. Vous allez me dire, oui, mais il y a sûrement une magouille. Non, non, simplement en soufflant. Le magicien retourne une carte et cette fois-ci, l'as de trèfle. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont penser qu'il y a plusieurs cartes, plusieurs as de retourner. Je vous montre tout de suite que non, il n'y a vraiment qu'une seule carte à chaque fois. Allez, je vais vous montrer autre chose. Si le magicien ne fait pas le souffle magique, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Pas grand-chose, car aucune carte se retourne. Allez, pour le plaisir et pour la fin, le dernier as. Et vous savez quoi? Il peut même se permettre, le magicien, de classer les cartes, c'est-à-dire les rouges avec les rouges et les noirs avec les noirs. Je vous remercie beaucoup. Allez, ciao les amis!